Suivre au cours de nos programmes un plateau spécial dédié à cette actualité avec le ministre de l'Éducation nationale comme invité. Signature de convention ce jour entre le ministère de l'Industrie et l'Organisation nationale des experts comptables du Gabon, une signature majeure pour l'accompagnement des industriels gabonais dans l'accès au financement et l'acquisition des rudiments nécessaires au renforcement du Made in Gabon. Césarine Ondema. Depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, François Mbongo Rafemu Bourdette multiplie les stratégies afin de booster le secteur industriel. D'où cette signature de convention entre son ministère et l'Organisation nationale des experts comptables pour accompagner les industriels nationaux. Mon département et moi avons organisé un forum, le forum sur les financements des industries gabonaises. Durant ce forum, nous avons identifié des freins importants à l'accès à ces financements, notamment la structuration, la tenue de la comptabilité. Donc, en réponse à cette problématique, nous nous sommes assis avec l'Ordre national des experts comptables du Gabon pour travailler sur une convention, cette convention que nous avons signée aujourd'hui, qui servira à accompagner les industries gabonaises à structurer, à organiser leur structure. L'acte parafait ce jour permettra à ces opérateurs économiques de peaufiner des stratégies pour bénéficier des fonds alloués pour le développement de ce secteur pourvoyeur d'emplois. L'un des points relevés par les industriels, c'était de dire que le coût des prestations des experts comptables était très élevé. Alors nous avons fait la promesse de signer une convention avec le ministère de l'Industrie afin de d'étudier le coût de nos prestations et l'adapter. Grâce au partenariat avec l'ONEC, nous aurons la possibilité d'avoir des dossiers très bien montés et par la suite avoir les financements adéquats. C'est un outil indispensable et nécessaire pour structurer le secteur industriel.